Salut tout le monde, c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour le sixième épisode de Monkey Island. Et comme promis, aujourd'hui on va essayer de combattre la reine du sabre. Ok, désolé, sans faire exprès, j'ai encore coupé l'enregistrement, c'est pas la première fois. Je vais peut-être juste baisser un petit peu le son parce que bien évidemment ça marche jamais bien. Voilà. Non, la musique ça passe encore, les voix ça passe encore, c'est parfait. On va pouvoir combattre contre Carla, la reine du sabre. Bon, j'espère que je suis prêt parce que vraiment je suis vraiment pas sûr de pouvoir la tuer. Alors la séduction n'est pas ton fort. J'ai gagné le concours des beaux. Mais... aussi le ok. Attends, j'ai juste écouté ce qu'elle a dit, mais généralement en fait les insultes qu'ils font, c'est pas les mêmes en anglais qu'en français. Je vais juste lui demander. Could you repeat that? I didn't quite get it. I've got the courage and skill of a master swordsman. Tu ne pourras jamais te mesurer à mon courage. Si tu l'utilises, je vais vraiment avoir peur, je pense. Ah, parfait, là, le petit ton là qui va bien. Alors, ça, je suis sûr que c'est... Désolé, j'ai déjà fait ma toilette. Où est-ce que c'est... putain, mais je trouve pas. Putain, je l'ai vu tout à l'heure en plus. Hein. Je peux t'aider à trouver les mots si tu veux. Laisse tomber, j'ai déjà fait ma toilette. Voilà. Your hemorrhoids are flaring up again, hein? Ok. Là, elle est dans la merde. Je crois encore un ou deux coups, elle est morte. I will milk every drop of blood. Ah, ça c'est... maintenant, c'est la vache. Donc... Ah. Oula, elle est mal là. Je crois que la prochaine répartie. Ah et voilà, c'est bon. Je crois qu'on l'a gagné parce que regardez. J'ai gagné le concours des beaux mollets machin. C'est. Ouais, j'ai gagné le concours des beaux mollets musclés. Et là, allez. Non, encore une dernière? Bon, allez. Tu révèles en moi un mépris iné... Alors... je bois pour pouvoir et toi tu te bats comme une vache. Excuse-moi, mais j'ai fait un tube. Dommage pour tout ce que ce soit. Si tu es, je vais vraiment avoir peur. J'essaie de me mettre à ton niveau. Ah, j'essaie de me mettre à ton niveau. Ah, merde. Et pourtant, c'était une bonne réplique, hein. Putain. Tu n'aurais pas dû te tromper dans cette histoire. Ok, du coup, je crois qu'on a perdu le combat. Là, normalement, voilà, l'épée vole, etc. Et on était tout prêt, on était à ça. Du coup, je vais faire peut-être une petite ellipse jusqu'à ce que... Ok, désolé pour la petite coupure. Oui, je disais... Ouais, elle s'est barrée. Je disais, je vais faire une petite ellipse et je vais essayer de rester jusqu'à ce que, enfin, de faire des trucs jusqu'à ce que j'y arrive et je vous retrouve une fois que c'est fait, parce que ça va peut-être vous faire chier de me voir en train de galérer avec la reine du sabre 50 fois de suite, quoi. Du coup, je vais faire une petite ellipse et je vous retrouve tout de suite après. À tout de suite. Ok, je crois que cette fois-ci c'est bon. Elle m'a dit un truc genre, bon, attends, je crois que je connais la réponse. Je vais te la fermer une fois pour toutes, faut juste que je retrouve. Je galère vraiment juste à retrouver. Elle a dû t'apprendre tout. Je vais te la fermer une fois pour toutes. Allez, s'il vous plaît. Ah. Ah, yes. Well, I hope you're happy. You can go back and brag to all your friends about how you beat the Swordmaster. You'll need proof. Here. This should convince them. Elle m'a donné quoi? Elle m'a donné... Ok, elle m'a donné un autre t-shirt. Je sais pas ce qu'ils ont avec les t-shirts dans ce jeu.
Mais bon, c'est bon, on va pouvoir sortir, on a enfin vaincu la reine du sabre. Ça a été vraiment très chiant, mais au moins on a pu combattre, tuer la... Non, pas tuer. On a pu battre la reine du sabre en duel. Et ça, c'est pas mal. Donc voilà. Maintenant, on va pouvoir... Putain, non, mais va te faire foutre, toi. Je m'en fous de toi. Je m'excuse de te déranger, je m'en vais. Ok, parfait. Bon, j'espère juste que je vais pas encore en agresser d'autres là. Non, c'est bon, parfait. On va aller voir le conseil des pirates pour leur dire qu'on a finalement réussi à tuer, enfin pas, putain, à battre la reine du sabre en duel. Ça va être plutôt cool. Oh, il va se passer quelque chose là. Non, c'est bon. À chaque écran comme ça, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose, mais en fait non. Donc il ne reste plus qu'une dernière chose, une dernière épreuve pour pouvoir être officiellement un pirate. Il va falloir voler la statuette dans le palais du gouverneur. Non, il se passe rien du tout encore. Bon, je vais arrêter de chanter peut-être. Où en es-tu avec la chasse au trésor? Je suis le roi de l'épée. Well, defeated the swordmaster, did you? Hey, you're a strong fella. He may keep the stylish t-shirt. Ah, voilà, le t-shirt élégant. Non mais dites-moi encore comment dérober l'idole parce que ça peut être intéressant. The governor keeps the idol of many hands in a display case in the mansion outside the town. You'll have to get past the guards, naturally. The tricky part will be getting past the dogs outside. Hey, les dogs OGM. Purely vicious breed. You might be able to drug him or something. Ok, va falloir les droguer, donc merci. Bah je vais faire ça. Bon, je sais pas du tout par... Bah, attendez. Je crois qu'il parle fort sur la vidéo, c'est pour ça que je vais éviter de parler en même temps qu'eux. Qu'est-ce que je disais, ouais. La première chose que je vais faire... Bon, désolé si le son de la musique était un peu fort, j'espère juste qu'on va continuer à entendre ma voix. Mais la première chose que je vais faire, c'est je vais donner les pastilles à la menthe au bonhomme qui était dans la prison. Je crois que je vous l'avais pas montré en plus. Bah je vais faire ça. Allez, dépêche-toi. Bon alors, la prison est juste ici. On va lui donner des petites pastilles à la menthe. Et avec ces pastilles à la menthe, je pense qu'on va avoir moyen. Wow. Également, je pense que je vais faire des épisodes un petit peu plus longs parce que comme ça, il y aura moins d'épisodes sur la chaîne, etc. Puisque je sais pas, ça a pas l'air de plaire non plus à tout le monde. Du coup, je vais éviter d'en faire des tonnes et des tonnes. Ok, du coup, on va essayer de lui donner ce qu'il faut. Donc donner... Merde, non, je vais pas donner le t-shirt 100% coton, moi. Hein. Je vais juste donner... Non. Putain, il les prend! Mais non, c'est pas pour toi, mon gars. Putain, hâte de les bouffer. Alors, donner pastille à la menthe à... prisonnier. Refreshing. So, have you come to release me? Who are you? My name is Ores. At least I think it is. Bah mec, il connaît même pas son nom. Plus, il a un nom d'ascenseur. You gotta get me out of here before I lose my mind completely. Can't you see? I'm innocent. But why are you in jail if you're innocent? I was framed. I didn't touch the stupid flowers. Quelles fleurs? What flowers? The yellow Caniche endormi flowers in the forest. Caniche endormi? Oh, je sens que Sheriff Shinetop sure is a jerk, isn't he? No kidding. Pastor Shinetop is the meanest man on Melee Island. De toute façon, le shérif nous avait menacé.
but he recently died under mysterious circumstances. You ask me. I think the new sheriff. Oh, regardez qui est derrière. I think you've said enough, Otis. Oops. Oops. I hope you haven't been taking this filthy vagrant too seriously. He'd say anything to avoid paying his debt to society. On va dire quoi? On va dire il a l'air plutôt innocent, laissez-le sortir parce qu'il nous a quand même menacé hein. Maybe you should mind your own business, stranger. I'll decide who's innocent and who's guilty around here. Ah ouais, donc c'est une dictature en fait. Look, I don't know what you're up to. But whatever it is, it's probably illegal. So forget it. Eh non, je vais pas les oublier, je vais aller cueillir les fleurs dont ils parlent. Oh, au moins, ils nous laissent avec Otis. Ok. Attends, je vais quand même lui parler et je vais lui dire où est-ce qu'on peut trouver les fleurs. Je crois qu'on a vu des fleurs dans la forêt, mais je suis pas sûr. Can I get you anything? Yes. You can get me out of here. Out of here. Something to get rid of these rats would be nice. I'll trade you this carrot cake my Aunt Tilly made. I hate carrot cake. Well, keep a stiff upper lip. I gotta go. Ok, va falloir sans doute essayer de tuer les rats, je sais pas du tout comment. Peut-être que si on a les fleurs qui sont empoisonnées, peut-être qu'on aura une chance de tuer ces rats également et d'obtenir le gâteau aux carottes du bonhomme, mais ouais, je sais pas trop. Donc on va faire un truc illégal, on va essayer d'aller cueillir les fleurs, et quand même c'est bizarre que cueillir des fleurs soit illégal, à moins que ça soit une espèce protégée. Mais elles ont un nom bizarre. Il y a un mec qui est sorti. Non, c'est bon, je crois que ça avait aucun rapport avec l'histoire. Je sais pas du tout à combien de temps de vidéo on en est. Je pense que je vais faire des épisodes entre 30 et peut-être 30-40 minutes à peu près. Enfin, dans ces eaux-là, quoi. J'aurais peut-être dû mettre un marqueur quand j'ai démarré la vidéo. Enfin bref, c'est pas grave. On va se rendre sur la falaise. Petit chemin avec le bonhomme. Le bonhomme peut peut-être nous apprendre des choses, hein. Je lui parle jamais, mais on sait jamais. Ok. Bon. On va chercher des trucs. On va les prendre. Mais putain, je veux juste les prendre. Prendre. C'est où prendre? Prendre plante. Putain, il veut pas ou quoi? Ah, il en a pris une! Cool, cool, cool. Est-ce que on a d'autres plantes? Je vais essayer de prendre toutes les plantes qu'il y a dans la forêt, comme ça au moins ça sera fait. Et petite luciole aussi. Ah, il y en a d'autres. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Same old red flowers all over the forest. Same old red flowers all over the forest. Prendre. Bah prends-les au moins, je sais pas, ça peut être utile. Parce que bon, je sais pas, les fleurs c'est joli en plus et tout, tu peux le donner au mec. Non mais je pense que... Bon attends, mais aussi, mais pas, parce que les fleurs elles s'appelaient genre caniche, l'andor caniche ou je sais pas quoi. Je sais pas du tout. Je sais vraiment pas du tout à quoi ça va correspondre. Ça se trouve, on va retrouver la maison de la Reine du Sabre. Eh ouais, c'est la maison. On se dirige vers la maison de la Reine du Sabre sans. Et voilà, on est à la maison de la Reine du Sabre. Bon. Ok, bah on va essayer de donner les fleurs aux chiens, puisqu'apparemment, les fleurs s'appelaient. Alors, on peut peut-être essayer de donner les fleurs aux pirates, enfin aux mecs en prison pour qu'ils nous disent si c'est vraiment les fleurs en question ou pas. Parce que, bon, je pense qu'il est pas si innocent que ça non plus. Je pense qu'il a cueilli les fleurs, mais c'est vrai que mettre quelqu'un en prison pour avoir cueilli des fleurs, c'est vraiment limite, quoi. Limite, peut-être une petite amende, mais pas le foutre en prison, quoi. Surtout que, bon, la prison a pas l'air géniale non plus, il bouffe des rats, le mec, il pue de la gueule aussi. Heureusement qu'on est là pour lui donner des petites pastilles à la menthe. Mais non, putain, je veux juste y aller. Oh là là, il comprend rien, ce Guy Bruch.
Ah oui, mais en fait j'ai appuyé sur clic droit. Le clic droit c'est pour regarder et le clic gauche c'est pour marcher. Ok. Ok. On va aller dans la prison et on va lui donner les fleurs pour voir ce que ça donne. Oups, désolé pour le, sans doute le petit bruit avec le micro. Ouais. Ok. Ok. On va te donner les plantes, mon gars. T'inquiète pas, on est là. C'est où donner? Donner pétale jaune à Otis. I don't want anything but my freedom. Ah, il s'en bat les couilles en fait. Bon, je vais quand même aller voir les chiens, essayer de leur donner ce truc. Ça se trouve, ça marche pas. Enfin, peut-être que. Mais je vois pas du tout comment je pourrais me renseigner concernant ces plantes. Au pire, je retournerai dans la forêt, j'essaierai avec les plantes rouges. Mais bon, je sais pas. On va essayer de leur donner. Mais ça a l'air d'être compliqué quand même de rentrer dans le truc du gouverneur, tout ça. Donc, on va essayer de leur donner le truc. En plus, c'est des caniches, quoi. Ok, bon, alors, je sais pas du tout où est-ce qu'on pourrait voir les plantes. Attendez, je réfléchis. Peut-être la dame vaudou, peut-être qu'elle peut nous aider là-dessus. Ça pourrait être un élément. Peut-être que la dame vaudou connaît un petit peu les plantes, les plantes un peu spéciales. On va aller lui demander. Ça serait pas mal. Ouais. Désolé, 2 secondes, mon casque me fait mal aux oreilles actuellement. Voilà, la dame vaudou, je crois que c'est là. Ouais, regardez, en plus, c'est des couleurs vertes et tout, c'est un peu chelou. Je crois que c'est bien chez elle. On rentre. Ce mec sans toquer, quoi. Enfin, remarque, c'est une voyante et tout, elle sait s'il va arriver ou pas. So, my mind reading skills tell me it is your future you are interested in. Are you certain this is something you really wish to know? Yes, tell me everything that's going to happen to me. I am getting a vision. Whoa! Oh, putain. I see you taking a voyage. A long voyage. I see you captaining a ship. Oh, pas mal. Oh, on va bien s'amuser sur un bateau. I see. What? See what? I see a giant monkey. Wow. Yikes. En même temps, on va aller sur la Monkey Island. The giant monkey. Gross. Wait. It's all becoming clear. Ouais, non, c'est pas très intéressant. Elle nous apprend rien du tout sur les fleurs qu'on a récupérées. Elle peut pas, genre, elle peut pas deviner qu'on cherche à voir si on peut faire des choses avec ces fleurs. You will learn things better left unlearned. What kind of? Putain, c'est chiant, je m'en fous en fait. No, the time is not right to know. Ah, ok. When you know your purpose. Allez, parle plus vite. I will let you know then. Ok. Bon, je m'en fous en fait. Hein. En plus, elle est partie. Waouh. Bon bah, ça fait une maison gratuite pour nous. Non, c'est pas très gentil. Putain, mais c'est une psychopathe, elle déglingue tous les poulets, quoi. Ouais, je sais pas si on peut lui faire confiance, hein. Peut-être eux. Ah, peut-être eux, là, sur les mecs sur le côté, peut-être qu'ils peuvent nous en apprendre un peu plus sur les fleurs. I'll just be running along now. Ok, bon, je sais pas du tout qu'est-ce qu'on va devoir faire, peut-être on va retourner dans la forêt. Mais pour aujourd'hui, je pense que l'épisode va être assez long, enfin au moins 20 minutes quoi, si ce n'est plus. Et du coup, je pense qu'on pourra faire encore une fois, désolé de la coupure, cette fois-ci c'est juste que j'avais plus d'espace disque. En tout cas, ce que je voulais simplement vous dire, c'est j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Je vous retrouve très vite pour un prochain épisode sans doute de Minecraft ou de Monkey Island ou de quoi que ce soit. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et à bientôt. Salut tout le monde, c'était Fuse. Salut.